soir, le chef conservateur dépose son plan de lutte contre les changements climatiques et promet d'adopter son propre système de tarification du carbone. Comment Erin O'Toole va-t-il convaincre ses militants climato-sceptiques? Que pensent de ce plan les partis d'opposition aux communes? On en débat avec notre panel de députés. La tarification du carbone du chef O'Toole, les cafouillages dans la gestion de la pandémie. À quoi s'attendre du budget de lundi? L'analyse des dossiers chauds de la semaine avec Joël Denis, Altia et Conrad. Bonsoir, mesdames, messieurs. Après avoir critiqué la taxe sur le carbone des libéraux pendant des années, les conservateurs proposent leur propre système de tarification du carbone. Plutôt que d'imposer un prix sur le carbone comme tel, le chef Erin O'Toole propose notamment de taxer les consommateurs canadiens chaque fois qu'ils vont acheter de l'essence. L'argent recueilli de cette façon serait par la suite déposé dans un compte d'épargne personnel et pourrait être utilisé par ces mêmes consommateurs pour des achats écologiques. Le plan conservateur prévoit aussi atteindre les mêmes cibles de réduction des gaz à effet de serre que celles des libéraux de Justin Trudeau. En point de presse ce matin, Erin O'Toole a également confirmé que s'il était élu, son gouvernement respecterait l'accord de Paris. Le Canada ne doit pas ignorer la réalité du changement climatique. Il a des effets néfastes sur nos écosystèmes. Il nuit à nos collectivités, en plus d'endommager nos infrastructures. D'abord, les conservateurs vont respecter l'accord de Paris sur le climat. Pour lutter contre les changements climatiques et protéger l'environnement, nous allons réduire les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Le plan des conservateurs va permettre d'atteindre les mêmes réductions d'émissions de gaz à effet de serre que le plan des libéraux. La grande différence est que notre plan va créer des emplois en plus de faire progresser l'économie canadienne. Les réactions maintenant. Je retrouve notre panel de députés. Pour les conservateurs, Alain Reyes. Pour les libéraux, Greg Fergus. Pour le Bloc québécois, Christina Michaud. Et pour le NPD, Alexandre Boulris. Alors, bonsoir à vous quatre. Bonsoir. Alain Reyes, des conservateurs, je vais commencer avec vous parce que, bon, on vient d'entendre votre chef vanter son plan de lutte au changement climatique, alors qu'il y a à peine un mois, vos militants ont majoritairement rejeté une motion qui reconnaissait, entre autres, les changements climatiques. Alors, comment M. O'Toole va s'y prendre pour faire accepter son plan aux militants conservateurs? Ben, je pense que le chef doit donner la direction lors d'un congrès. Tous ceux qui sont en politique le savent. Il y a des membres qui votent et il y a aussi le caucus parlementaire qui prend une orientation. Et quand on approche à une élection, ben, il y a une plateforme électorale qui est présentée puis c'est là-dessus que les gens vont aller voter. Notre chef a été catégorique pendant le congrès dans son discours, que ce soit lorsqu'il a répondu aux questions avec avec les membres le lendemain. Il a répété que les changements climatiques existait, qu'on devait comme parti se moderniser, présenter une plateforme sérieuse, solide, qui allait nous permettre d'atteindre les objectifs de Paris. Et c'est ce qui a été déposé aujourd'hui. Mais... moi, je peux vous dire, comme personne qui est considérée un peu comme pro-environnement à l'intérieur de mon organisation, je trouve qu'on s'en va dans la bonne direction. Ça fait aussi quelques années quand même, les conservateurs, que vous critiquez la taxe sur le carbone du gouvernement Trudeau, oui, alors que vous présentez votre propre système aujourd'hui. Est-ce qu'on peut parler à l'ARS toujours d'une volte-face des conservateurs? Non, puis c'est bien parce que vous avez utilisé les bons mots, ce qui n'est pas toujours le cas de toutes les personnes qui nous questionnent, parce que les gens disent, bon, vous avez un volte-face, vous avez décidé de remettre une taxe carbone. Non, une taxe, c'est par définition, si on regarde dans le dictionnaire, c'est de l'argent que le gouvernement va chercher pour mettre dans ses coffres, puis après ça, redistribuer à sa façon. Nous, c'est plutôt un compte d'épargne personnel pour la réduction du carbone. Donc, chaque citoyen, lorsqu'on croise des citoyens qui disent « moi, je veux poser des gestes » ou « j'en pose déjà puis je veux faire plus, mais ça coûte plus cher », bien, les gens, lorsqu'ils vont consommer des produits qui sont néfastes pour l'environnement, vont accumuler des points, un peu comme le principe de la taxe carbone, mais c'est les citoyens qui vont faire leur propre choix pour faire des rénovations plus vertes, pour s'acheter un véhicule électrique, pour s'acheter un vélo, pour payer moins cher leur droit d'accès pour le transport en commun. Donc, toutes sortes de mesures qu'on va encourager pour que les citoyens puissent faire ses propres choix, les meilleurs, pour améliorer l'environnement, puis Greg, nécessairement pour aider la planète. Greg Fergus, des libéraux, qu'est-ce que vous en pensez de ce plan vert, les conservateurs?
C'est pas un plan vert, c'est un plan à l'envers parce que tout d'un coup, on a pris le modèle de pollueur-payeur, puis maintenant, on a transformé ça dans un pollueur payé. C'est un plan très complexe, c'est un plan qu'on va donner des atouts aux gens qui vont polluer le plus. Ça n'a pas de bon sens, ça ne changera pas les habitudes des gens. Ils ne vont pas choisir des moyens pour polluer moins dans notre société. Et puis, c'est certain qu'avec leur plan qu'ils ont proposé, jamais ils vont arriver au objectif minime de M. Harper qui avait établi pour 2030. Il faut dépasser ces objectifs-là. Et c'est la raison pour laquelle moi je suis assez confiant que les Canadiens vont examiner leur plan puis ils vont dire écoute c'est bien plus complexe, bien pire que ce que propose notre gouvernement qui a un plan réel pour dépasser les objectifs de 2030. Ouais, Christian Michaud au Bloc québécois, qu'est-ce que vous en pensez du plan de M. O'Toole? Ben d'abord, faut rappeler hein, que les militants ont voté en faveur. En fait, ils reconnaissent pas l'existence des changements climatiques. Alors, de voir qu'il y a des mesures qui sont proposées par la suite, eh bien, il y a un manque de crédibilité totale. Les conservateurs ont montré par le passé là qu'ils parlaient un petit peu des deux côtés de la bouche, ou bien qu'ils n'y croyaient tout simplement pas. Et c'est encore un peu ça. Et Monsieur O'Toole fait complètement volte-face avec la taxe sur le carbone. Il avait promis de l'abolir. Je dis pas que c'est une mauvaise chose de revenir sur ces mots, mais pour quelqu'un qui aspire à devenir premier ministre du Canada, ça démontre qu'il peut revenir sur sa parole n'importe quand, qu'il peut revenir sur ses promesses, changer d'idée. Et bon, cette forme de taxation, il se concentre un petit peu sur les consommateurs plutôt que les grands pollueurs. Il essaie peut-être de diminuer ou d'espacer la responsabilité justement pour soulager ces grands pollueurs-là. Et c'est davantage sur eux qu'on doit se concentrer. C'est en prenant des actions concrètes maintenant, en voulant surpasser les cibles de l'accord de Paris, justement, et en démontrant à la population de quelle façon on va le faire. Pour l'instant, on n'a pas d'indication comme quoi on va être en mesure d'atteindre ces cibles-là, malheureusement. Ce que j'aurais aimé voir dans le plan des conservateurs, c'est un engagement concret aussi vers la transition énergétique, démontrer que les énergies fossiles, ça appartient au siècle dernier et qu'on est prêt vraiment à aller de l'avant avec des énergies vertes, des énergies durables qui sont bonnes pour l'environnement, mais j'ai pas entendu les conservateurs dire qu'ils allaient pas encore mettre l'argent des contribuables dans des pipelines, par exemple. Alors ça, ils en ont pas vraiment parlé et je pense que c'est au cœur du problème parce que ça passe par là, la transition énergétique, et on est en pleine crise climatique. Ça prend des actions concrètes. Alexandre Boulris, au NPD, votre réaction? Ben, premièrement, je dirais à M. Fergus de faire attention parce que les libéraux ont voté la fin de semaine dernière pour maintenir les subventions aux compagnies pétrolières et gazières. Alors, le plan des libéraux, il n'est pas infaillible non plus, il n'est pas très efficace en ce moment. Mais à propos de M. Reyes, je comprends pas où est-ce qu'ils s'en vont, les conservateurs, avec ça. C'est absolument incompréhensible, c'est presque ingérable, et de la part d'un conservateur, de vouloir créer plus d'emplois pour des bureaucrates, pour être capable de gérer le compte épargne de chacun, de chaque citoyen, citoyenne. Je comprends pas comment ils veulent faire ça. Pour quelqu'un qui veut réduire la taille du gouvernement, ils viennent faire exploser la taille du gouvernement parce que ça, comment vous voulez qualifier puis gérer chaque consommation d'essence dans chaque automobile de chaque personne au pays? Et puis, en plus de ça, la logique, elle est complètement bizarre. Parce que plus vous consommez d'essence, plus vous êtes récompensé. Donc, vous êtes récompensé si vous polluez plus. Je vois pas en quoi c'est un plan vert puis environnemental, ça, là. Monsieur Reyes, voulez-vous répondre à ça? Ça va me permettre de répondre à tout le monde, mais c'est le fun de se faire attaquer sur un plan comme ça. Donc, ça démontre qu'il y a un plan. Donc, c'est une première des choses. Vous allez me permettre de répondre, un, à Monsieur Fergus en premier. La firme qui a évalué ce plan-là nous a dit qu'on pourrait atteindre les mêmes cibles que les libéraux
atteignent présentement, qui sont les cibles de Paris 2030, qui critiquent les cibles de Stephen Harper, qui sont les mêmes que les libéraux ont utilisées dans leur planification depuis 6 ans. Je trouve ça assez spécial. Donc, c'est la même firme en plus qui évalue le gouvernement de la Colombie-Britannique, qui est celui qui est le plus avancé de toutes les provinces au Canada. C'est la même firme qui a fait l'analyse du propre gouvernement libéral présentement. Donc, je pense que c'est assez crédible comme analyse. Puis, je trouve ça spécial qu'on remette en question le fait que des citoyens pourraient, avec leur point carbone, au lieu que ce soit le gouvernement, qu'on laisse le choix aux citoyens de dire « Hey, si tu veux changer ton frigidaire pour en prendre un qui est moins énergivore, ben tu vas pouvoir t'aider grâce à tes points carbone que tu as ramassés. Si tu veux t'acheter un véhicule électrique comme citoyen parce que tu veux poser un geste concret, puis tu ne fais pas partie des gens riches qui ont les moyens de se le payer en ce moment, mais on va t'aider de cette façon-là. Tu vas t'aider toi-même. » Donc, chaque citoyen qui veut faire une différence. Puis là, vous allez me permettre rapidement, là, pour clore un peu le sujet, puis j'inviterai ma collègue du Bloc québécois à prendre le temps au moins de lire le document, parce que je pense que 85 % de tout ce qu'elle a souligné, il y a des réponses à ces questions-là dans le document. Je ne crois pas qu'elle a pris le temps de tout le lire, sincèrement. Et j'ai dit, il y a d'autres éléments aussi, donc c'est une des 7 sections à l'intérieur, parce qu'on parle de réduction des émissions industrielles, on s'attaque aux gros pollueurs, on augmente l'utilisation du gaz naturel renouvelable, mise en place d'une norme sur le carburant faible en carbone, augmentation du captage de carbone, qui sont les nouvelles technologies utilisées en Europe par plusieurs pays présentement, augmentation du nombre de véhicules à émissions zéro, et tarifs frontaliers sur le carbone, qui est une mesure qui va nous permettre d'éviter de garrocher nos émissions de carbone à l'extérieur par différentes techniques, bon, ou de permettre à d'autres pays d'importer des produits qui sont néfastes pour l'environnement. Là, le temps file. À l'arrière, je vais quand même laisser le temps aux autres de répondre. Greg Fergus, quand même, M. Reyes vient de fournir des arguments qui sont valables. Qu'est-ce que vous répondez? Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? Les arguments que M. Reyes a présentés, malheureusement, sont aussi minces que le document sur lequel ils ont produit cet après-midi. C'est un petit dépliant de 15 pages avec pas beaucoup de détails, aucun objectif, à part de cette discussion, comme j'ai dit, de ce concept de pollueur payé. Et comme M. Boulris venait de dire, c'est un peu bizarre qu'on va récompenser les gens qui vont polluer le plus. Ouais. Et puis, il y a un incitatif pour continuer à polluer parce que vous allez recevoir plus d'argent. Christina Michaud. Ça, c'est pas la façon de créer une économie durable. Christina Michaud, pour répondre à M. Reyes, rapidement. Oui. Je vais lui donner à M. Reyes un plan, c'est mieux que pas de plan, donc bravo pour ça. Mais j'ai bien hâte de voir au-delà de ce qui est écrit sur ces pages-là, j'ai bien hâte de voir les conservateurs travailler avec moi pour essayer de rendre la loi sur la carboneutralité davantage contraignante, davantage transparente, parce que ce que les libéraux ont mis sur la table en ce moment, c'est pas suffisant pour atteindre les cibles. Alors j'ai bien hâte de les voir collaborer avec nous pour améliorer ce projet de loi-là. Alexandre Boulris du NPD, le mot de la fin. Ben, je pense que le plan des conservateurs aujourd'hui est inefficace et incompréhensible. Et en plus de ça, ils vont continuer à avoir plus de pipelines, plus d'exploitation pétrolière et gazière. Et c'est pas vraiment une transition énergétique qui nous rapproche des objectifs de l'accord de Paris. Donc, c'est encore une fois de la poudre aux yeux. Ouais, c'est visiblement pas un plan qui fait l'unanimité. En tout cas, Alexandre Boulris, Alain Reyes, Greg Fergus et Christina Michaud. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée. C'est là-dessus le moment de retrouver Joël Denis, Altia et Conrad pour l'analyse des sujets chauds de la semaine. Alors, bonsoir à vous trois. Bonsoir. On va commencer justement par le plan du chef conservateur O'Toole pour lutter contre les changements climatiques. Joël Denis, d'abord, vos premières réactions à vous. Bien, ça me paraît un plan qui est un peu plus complexe que ce à quoi on devrait s'attendre de la part des conservateurs. On veut créer un compte d'épargne qui permettrait de mettre de l'argent dans un compte si vous achetez de l'essence. Donc, il n'y a pas beaucoup d'incitatifs, je vous dirais, pour réduire notre consommation de combustible. Donc, évidemment, le plan est fortement critiqué par tous les adversaires et il faudra attendre l'évaluation des groupes environnementaux pour avoir la vraie mesure. Mais il s'agit quand même d'une volte-face des conservateurs parce qu'on va imposer un prix sur le carbone, que ce soit une taxe ou autre, comme vous souhaitez l'appeler les conservateurs, il va y avoir un prix sur le carbone. Et donc, le débat est clos à ce sujet-là. La meilleure façon de lutter contre les changements climatiques, c'est d'imposer un prix sur le carbone. Tous les partis politiques, maintenant, nagent dans la même direction.
Ouais. Altien, est-ce que vous pensez que ça va être difficile pour M. O'Toole de faire passer son plan auprès de ses militants qui sont climato-sceptiques? Oui, j'ai parlé à plusieurs députés ce matin, premièrement, même avant l'annonce, parce que il n'y avait pas eu de rencontre pour le caucus pour leur dire qu'est-ce que M. O'Toole allait mentionner. Puis en fait, à la dernière réunion, selon mes informations, c'était le groupe de conservateurs, surtout de l'Ouest, qui voulait vraiment s'afficher contre le projet de loi des libéraux, le C-12, là, pour arriver à net zéro en 2050. Puis, M. O'Toole semblerait leur avait dit, bon, ben si on va contre, on va de l'avant avec le plan. Puis ça, c'est ce qu'on a vu. Ils étaient absolument surpris. Il y a un député qui m'a envoyé un message me disant, il y a combien de discours est-ce que j'ai donné disant qu'on était contre la taxe sur le carbone? Des appels des partisans, des membres, des bénévoles qui ne comprennent pas, surtout des députés de l'Ouest, qu'est-ce qui vient de se passer. Et puis, il y a une inquiétude dans le caucus qu'il y a beaucoup des membres qui vont se ranger derrière Jay Hill et le parti Maverick. Je ne sais pas si c'est vraiment peut-être juste les émotions qui sont un petit peu très fortes la première journée, puis ça va se calmer. Mais c'était les premières impressions, surtout des députés de l'Ouest. Oui, Conrad, vos premières impressions à vous de ce plan des conservateurs, M. O'Toole? Oui, mais ceux qui croient que les partis conservateurs pouvaient faire la prochaine campagne électorale sans avoir mis un prix sur le carbone vivent sur une autre planète, parce que c'est devenu l'ironie du sort que les conservateurs qui étaient les premiers à proposer un prix sur le carbone comme étant la façon la plus efficace de réduire les émissions et sont devenus totalement contre cette idée dès que les libéraux en ont fait leur cheval de bataille. Et moi, quand j'ai entendu pour la première fois le plan de M. O'Toole, j'ai pensé que c'était une patente, compte d'épargne. Mais plus j'y pense, je pense que pour le commun des mortels, ça pourrait avoir un certain intérêt de mettre de côté des sommes qui vont être consacrées dans l'avenir à l'achat des produits verts. Parce que là, c'est plus concret dans l'esprit des gens que ça rapporte cette taxe-là. Pour l'instant, c'est des vases communicants avec le plan des libéraux. Donc, je crois que ce plan-là est, mettons, vendable. Et pour ceux qui sont dans le caucus qui sont pas contents avec le prix sur le carbone, mais ils vivent carrément sur une autre planète et ils peuvent aller avec Jay Hill, mais il y aura pas beaucoup d'entre eux qui vont faire ça. Ouais, Joël Denis, juste pour conclure là-dessus, parce qu'on vous a entendu rire quand Conrad a parlé de patente, qu'est-ce que vous voulez réagir à ça? C'est sorti un peu de nulle part. Il n'y a pas d'exemple ailleurs dans le monde d'une telle mesure d'un compte d'épargne. Si vous faites le plein, vous avez des sous qui vont dans un compte d'épargne. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est innovateur ou c'est complètement une patente, comme aime le dire Conrad? Maintenant, le risque court, M. O'Toole, c'est justement il veut pouvoir vendre cette salade dans l'est du pays, en Ontario, au Québec, mais va-t-il pouvoir conserver ses appuis dans l'ouest? Est-ce que ses supporters traditionnels vont l'abandonner parce qu'il fait ce tel virage? Ça reste à voir, mais les prochains sondages risquent d'être très intéressants. Et on voit déjà que les partis adverses, le Parti libéral, le Bloc québécois et même le NPD, sont en train de démolir ce plan. Donc, mais enfin, ça donne un peu plus de crédibilité aux conservateurs. On reconnaît, au moins au niveau du chef, que c'est réel, les changements climatiques, il faut s'y attaquer. Et la meilleure façon de le faire, bien, c'est un prix sur le carbone. Bon, oui. Oui, allez-y. Très vitement. Le plan, il est très brillant d'une certaine manière. Premièrement, les partis d'opposition allaient critiquer, même s'ils aimaient beaucoup ce qu'il y avait dans le plan. Ça, c'est pour acquis. Mais il y a beaucoup de gens, de fermiers, de gens qui vivent dans les endroits ruraux, qui se trouvent à un désavantage avec le programme du Parti libéral, du gouvernement à l'instant. Dans ce qu'ils reçoivent peu d'argent qui dépensent. Alors, les gens qui vivent comme au centre-ville comme moi, qui n'ont pas de voiture, qui ne... maintenant, on prend plus d'avion aussi. Moi, je reçois plus que je paye.
Mais eux, ils payent beaucoup plus qu'ils reçoivent. Puis dans le plan du Parti conservateur, les gens vont recevoir qu'est-ce qu'ils ont payé. Alors, ça peut être quand même un programme de démarcation entre les deux partis politiques. Puis je dirais l'autre chose, c'est que, par contre, les conservateurs qui vont me critiquer que le gros gouvernement nous dit comment qu'on devrait dépenser notre argent et sur quoi, ça peut-être, par contre, ça pourrait les nuire. Bon, le temps file, je veux vous entendre sur d'autres sujets, notamment sur la gestion de la pandémie par les provinces, alors que la troisième vague prend de l'ampleur. Bon, record de cas ce jeudi en Ontario, hausse des hospitalisations. Conrad, d'abord, qu'est-ce qu'on doit penser du cafouillage du gouvernement Legault autour du port du masque à l'extérieur cette semaine? Mais je pense que c'est l'illustration qui cherche une façon d'avoir l'impression de faire quelque chose. Mm-hmm. Parce que là s'il voulait être vraiment efficace pour stopper la troisième vague, c'est une fermeture au complet de l'économie, comme on l'avait fait l'an dernier. Il faut fermer les usines, il faut fermer les entrepôts, parce que c'est là où les infections ont lieu. Donc, cette idée de réimposer le couvre-feu à 8 heures, et l'idée d'imposer le port du masque dans plus d'endroits, y compris à l'extérieur, c'est un travail à la marge. Là, ça travaille à la marge, mais ça va pas au bout du problème, mais ça commence à agacer, sérieusement agacer les gens qui trouvent que le gouvernement en met un peu trop, mais c'est précisément parce que il y a des pressions qui proviennent du domaine de la santé et des autres domaines qui sont plus préoccupés par cette pandémie pour que le gouvernement fasse quelque chose. La pression est très forte, mais le gouvernement ne veut pas aller aussi loin que ces gens-là veulent qu'il aille. Donc, c'est ça. Et ça amène à des décisions pas très brillantes comme celle sur le port du masque pour jouer au tennis. À l'extérieur, si oui. Joël Denis, oui. Je vous dirais, ça devrait peut-être forcer le gouvernement à revoir sa stratégie de vaccination. On y va par catégorie d'âge, par tranche de gens vulnérables et tout ça, mais moi, je fais du télétravail. J'ai pas besoin d'un vaccin tout de suite. Par contre, le travailleur dans une usine aurait peut-être besoin d'un vaccin maintenant pour éviter justement d'être touché par le virus. Donc, il faudrait peut-être revoir cette stratégie de vaccination, même à l'échelle du pays, pour éviter que, quand on y va par groupe d'âge, parfois on n'atteint pas ceux qu'on devrait vacciner en priorité, comme les travailleurs essentiels, par exemple, les travailleurs dans l'entrepôt. Et je pense que ça fait partie de la solution. Le masque à l'extérieur, ça, je pense, c'était un peu farfelu comme solution. D'ailleurs, M. Legault s'en est aperçu. On a reculé. C'était impossible de jouer au tennis en portant un masque. Mais cette volte-à-face illustre justement qu'il y a d'autres options qui sont au gouvernement qui ne sont peut-être pas étudiées à l'actuel, notamment la stratégie de vaccination. Oui, Altia, justement, en Ontario, il y a des cafouillages aussi dans la vaccination, avec un record de nombre de cas aujourd'hui, ce jeudi. Est-ce que le gouvernement Ford a perdu le contrôle de la situation? Je pense que vous auriez pu me demander la même question la semaine dernière ou même la semaine avant. Il semble qu'ils n'ont pas contrôle de la situation, je dirais. Les annonces qu'ils ont faites la semaine dernière, c'était vraiment c'était sur les suggestions de Joël Denis et de Conrad en disant qu'ils allaient bouger des ressources pour aller vacciner les gens de 18 ans et plus dans les centres où il y avait beaucoup plus de transmission, des gens qui travaillent dans les usines comme exemple. Ça n'a pas vraiment fonctionné comme il aurait voulu. Puis maintenant, il y a un gros problème qu'il n'y a pas assez de vaccins pour la demande. Puis il y a un autre problème en plus, c'est tout le débat autour des vaccins AstraZeneca. Il y a beaucoup de gens qui peuvent avoir des rendez-vous, mais qui ne veulent pas prendre de rendez-vous parce qu'ils ont trop peur des conséquences néfastes. Mais on a vu en Ontario, pour revenir à votre point au début, maintenant, les jeunes étudiants ne vont plus à l'école. Ils vont faire l'école à la maison. Le cabinet de M. Ford se rencontre encore une fois pour nous indiquer qu'il va peut-être avoir d'autres mesures additionnelles. Mais la province, elle est pas mal rendu au même lockdown qu'on avait au mois de mars en 2020. Ouais, quand la pandémie a commencé au tout début. Bon, la pandémie qui va probablement, très certainement, être au cœur du budget qui va être présenté lundi par la ministre Chrystia Freeland. Évidemment, il y a énormément d'attentes sur ce budget-là. Il faut dire que ça fait quand même 2 ans qu'on n'a pas eu de budget au Canada.
On va avoir l'occasion de s'en reparler la semaine prochaine. On va l'analyser. Conrad, d'abord, vous vous attendez à quoi dans ce budget? Qu'est-ce que vous allez regarder particulièrement? Des garderies. Parce qu'il a certainement laissé entendre, la ministre aussi, Freeland, a laissé entendre que ça va être au centre du plan. Je pense que je ne suis pas à Ottawa comme vous autres, donc vous avez peut-être plus d'inside track sur ce qui est prioritaire. Mais pour moi, évidemment, avec mon background comme journaliste économique, ouais. Moi, je veux voir un plan crédible pour et des prévisions qui ont de l'allure pour qui vont tenir la route, même si on travaille dans une période encore avec beaucoup d'incertitudes. Mais on va voir ce que la ministre va faire pour rassurer les gens que les dépenses de cette année sont pas le début d'une tendance à long terme. Et qu'elle est sérieuse quand elle dit que on va s'assurer que la dette n'augmente pas plus vite que le taux de croissance de l'économie. Althia, qu'est-ce que vous allez surveiller particulièrement dans ce budget lundi? J'aimerais savoir si les programmes qu'ils vont annoncer, comme les garderies, donc on vient de mentionner, si ça va être des gros programmes qui vont durer pendant la prochaine décennie, ou si on regarde vraiment dans le 70 à 100 milliards de dollars que Mme Freeland avait indiqué qu'elle était prête à dépenser comme stimulus au mois de novembre, si on va voir des programmes de courte durée. Puis avec les garderies, on sait que les libéraux, ils ont déjà dépensé presque 900 millions de dollars sur les garderies, puis il n'y a pas beaucoup de résultats. Est-ce que le gouvernement fédéral va décider enfin qu'ils n'ont pas besoin que les provinces dépensent de l'argent pour un programme comme celui-ci et que le gouvernement fédéral va aller de l'avant comme ils le veulent? L'autre chose, je dirais, on nous indique que peut-être que c'est un très, très gros budget, des rumeurs. Une personne m'a dit qu'il est 700 pages, même qu'il y avait des décisions qu'on prenait cette semaine sur le contenu du budget. Il y a plein de choses. C'est un gros budget. C'est le premier budget de Mme Freeland aussi, une femme qui a des autres ambitions. Alors, on va avoir certaines beaucoup de choses à parler la semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine. Joël Denis, en quelques secondes, le mot de la fin sur ce budget de lundi. Comme Corade et Althia, je vais surveiller un mot, garderie. On me dit qu'il va y avoir de gros dollars qui vont être investis dans ce réseau. Au Québec, ça coûte environ 3 milliards de dollars par année. Si on exporte ce programme-là à l'échelle du pays, ça veut dire que le fédéral devrait investir au tout près de 15 milliards de dollars par année pour arriver à créer une structure semblable. Ça veut dire aussi que des gros dollars vont aussi aboutir dans les coffres du gouvernement du Québec parce qu'il y aura un transfert, il existe déjà un programme au Québec. Donc, il y aura un ministre en particulier qui va surveiller de très près au Québec lundi. C'est le ministre des Finances du Québec qui pourrait peut-être recevoir des chèques d'Ottawa parce que le programme existe déjà au Québec. Joël Denis, Althia, Conrad, merci beaucoup. On se retrouve donc jeudi prochain pour, entre autres, analyser ce budget qui est très attendu. D'ici là, portez-vous bien. Merci. Merci. À vous aussi. Bon week-end. Bye-bye. En terminant, un mot pour vous dire qu'Ottawa et Québec se sont finalement entendus sur le financement de la station du réseau express métropolitain qui doit permettre de relier le centre-ville de la métropole à l'aéroport Montréal-Trudeau. Un accord est intervenu entre les deux paliers de gouvernement à propos de ce projet d'environ 600 millions de dollars. Le montage financier prévoit entre autres un prêt de 300 millions en provenance de la Banque de l'infrastructure du Canada. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce jeudi 15 avril sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et à demain. Et d'ici là, continuez à prendre soin de vous. Au revoir.